Les quelques survivants sont tombés à genoux et se sont mis à prier. Ah, c'est l'apocalypse, c'est horrible. Je ne suis pas croyant, mais je crois qu'ils ont raison. Oh mon Dieu, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Laissez-moi, oh mon Dieu, non, non, non. J'aventure fièrement mon égocentrisme dans un silence apocalyptique, là où s'achève le bon sens. Mon empreinte martèle l'humeur établie dans un fracas de cimetière qui s'étend jusqu'à l'infini. Je me délecte et me nourris de ce nectar divin. Je revis au crépuscule des jours ici, dans une rivière du corps incandescent, là où se perd toute l'innocence laissant les enfants d'une vie. Pas d'ignorance en proie à la folie, dès lors se gagne d'un regard un cannibalisme animal. L'interdit n'est plus, l'esprit se disloque comme rompu. Il retourne à l'état de poussière engrainé par l'instinct de survie. Il s'engendre alors une symphonie de confusion, d'actes barbares. Mais où en est l'élocution? Elles sont sous le voile de la honte, témoin du massacre. Le retour à la raison m'a diffère. Sous une pluie battante vole l'oiseau de mauvaise augure, qui plonge étrangement toute une foule dans une hystérie folle. Le jour s'éteint dans les entrailles, parsemé d'une vierge qui brunit au soleil. Bienvenue, bienvenue mon jeune ami, pour toi et tes amis. J'ai dans mes bagages une alternative. Mais quel est ce mélange de stimuli et bon sens? C'est l'étrange Noël de Monsieur Joie. Bienvenue, bienvenue mon jeune ami, pour toi et tes amis. J'ai dans mes bagages une alternative. Mais quel est ce mélange de stimuli et bon sens? C'est l'étrange Noël de Monsieur Joie. Des rapports similaires nous parviennent du monde entier. Un imposteur aurait usurpé l'identité du Père Noël et serait en train de dénaturer cette joyeuse fête. Les autorités nous ont assuré qu'en ce moment même, des unités militaires se mobilisent pour arrêter l'instigateur de cet épouvantable crime. Les jours renaissent d'une nuit d'apocalypse, croyance débarrassée de ses démons, mais la réalité rattrape les mémoires. Je me sens désiré dans l'insoutenable, que vomit le reste en décomposition d'un cadavre incuse des confits. L'atroce jus de l'élixir de vie, elle distribue sa tragédie au coin des ruelles, au moins avertie. Par ici j'entends les cris de détresse, on crie à l'aide, mais dans un dernier soupir s'envole ce dernier espoir de survie. Les pains de sang apaisent la rancœur de fini dans le regard. Les pains de sang ne sont que le reflet d'une vie consumée avant l'heure. Tout n'est que désolation pour mon plus grand plaisir. Du charbon ardent de la terre jusqu'aux cieux, l'atmosphère transpire de sueur chaotique. Tout m'apparaît très clair quand se dresse de loin de moi une fourche baignant dans un corps encore chaud. Je suis titillé par les pleurs d'une fillette. L'adrénaline me dévore et me confond d'images meurtrières. Je me sais consumé par cette soif de violence démesurée. Bienvenue, bienvenue mon jeune ami, pour toi et tes amis. J'ai dans mes bagages une alternative. Mais quel est ce mélange de stimuli et bon sens? C'est l'étrange Noël de Monsieur Joie. Bienvenue, bienvenue mon jeune ami, pour toi et tes amis. J'ai dans mes bagages une alternative. Mais quel est ce mélange de stimuli et bon sens? C'est l'étrange Noël de Monsieur Joie.